Yo, salut à tous, à toutes, c'est Tommy, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur le changement de mail sur un buff surtout sur le PTR. Alors, je m'y prends un peu tard, donc là les gens voilà sur le PTR s'en foutent un petit peu, je pense. J'ai pris mail, j'ai un stapic mail, je vais essayer de la jouer bien. On va espérer qu'il y aura un healer, mais voilà. Donc c'est le PTR. Petit buff pour mail. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu une augmentation du slow. Donc ça, c'est déjà énorme. Une augmentation du slow sur son clic gauche. Slow qui est maintenant dure 1,5 secondes au lieu de 1 seconde. C'est très très fort parce que si vous avez du monde devant vous, vous faites ça, tout le monde est impacté. Et donc, 1,5 secondes, ça se ressent énormément. Petite chose, vous pouvez comboter ces 1,5 secondes avec son ulti. L'animation aide dépose l'ulti au sol prend à peu près 1 seconde. Donc le temps que ça pop, machin... Maintenant, les 1,5 secondes permettent de comboter avec cet ulti. La personne ne peut plus du tout s'échapper. Évidemment, on va faire le bâtard. Oh shit. Donc, il va reculer. Et deuxième petite chose, on a du ping. Je viens de m'en apercevoir. Sans ping. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc là voilà, on ressent quand même la grosse différence avec le Lucio par exemple. Hein. Je l'ai à peine touché que bah, le temps que je le retouche. Oh merde. Aïe 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 de merde. Ça commence à être compliqué de survivre dans ce pays. Ok. Faire attention pas à me faire boucle. Ok. On est plutôt bien. Voilà. On gèle. Je crois que c'était pour moi. Allez, on avance. On bouge son cul. Voilà. Non mais ça changera rien pour toi. Sauf le Reaper. Donc on voit quand même la grosse différence. Parce que si vous avez beau les toucher, ça va quand même les slow pendant un certain temps si vous passez sur notre cible. Et ça, c'est quand même un gros buff. Parce que, du coup, ça temporise la game. Et ça, c'est énorme. C'est ce que on cherche avec une mail, surtout, c'est de tempo la game. Ralentir une personne. La geler. La tuer. Mais surtout, temporiser. Je me fais ce qui va arriver en plein milieu comme un bourrin. Et théac. Qu'est-ce que ça fait? Tire à travers le mur. J'aurais pu, je pense. Donc je pense que c'est un bon petit buff pour May. Après, est-ce que c'est game changer? Je pense pas. C'est sûr que ça a un gros confort hein, pour les joueurs de May. Voilà, tout le monde est slow à mort là. À peine le petit tic placé sur l'adversaire, c'est impactant. Donc ça, c'est quand même très très fort. Et 1,5 secondes, chaque seconde compte sur Overwatch. C'est quand même des parties de 10 minutes, hein, donc 1,5 secondes par rapport à 1 seconde, c'est quand même assez énorme. C'est ça, j'ai pas d'autres mots, tu l'as bien cherché. On va enlever ça, ça gêne. Ok, ça va arriver en haut à gauche. Touché, c'est toi, chat. D'accord, elle est morute.
mais je suis nul. Nul à chier. Bim. Tout ça avec Sandping. Pardon. Alors là, le hack est tellement rapide qu'il arrive à me hacker à travers le S-Block. Mais please. Non mais prends ta tête. Non, non, pas de trap, pas de trap. Pas de trap. Il veut pas prendre son clic droit. Oh oh. C'est bon. C'est pas visé. Mini diva. Il y a un autre truc dedans. Il a pas de PV. Énorme. Ok. Ça va les retenir. Regroupez-vous à mes côtés. Oh la vache. T'es pas content lui. Un ulti juste pour ça quoi. Il est fou. Attends, et il aurait eu deux kills hein, s'il avait réussi son coup. Nous on va aller tranquillement sur le point. Avec le Doomfist finalement. Il y a comme un mur entre nous. Ok. C'est quand même un putain de changement en fait, c'est 1,5 secondes. On le ressent dans le gameplay. C'est quand même bien plus violent. Le mecha de Diva, etc. Enfin, c'est un putain de changement. Ça a pas l'air comme ça, mais ouais, le temps, c'est quand même quelque chose sur Overwatch. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que t'allais te sauver, quoi. Survivre? Non. On va profiter de ce heal. On a un peu de temps. Bah non, mais reviens. Ok. On est plutôt bien. On va se faire un chouille. On va reprendre les hauteurs. Doomfist? Non. What? What? Salut les amis. N'importe quoi. Ah d'accord, il était low. Il était low. Allez, ils ont compris, ils ont pris un healer. Ils ont pris une petite Omar Sy. Pardon. Je vais pas tenter le diable avec avec une fatale. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Aïe 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 aïe. Ah mais tuez-le! Il a un PV! Ça pourrait servir en pleine santé. 2020, on peut tenir! On peut tenir! Ils vont arriver en haut à gauche. Fatal qui va essayer de se positionner, mais je vais lui dire que non. Qu'est-ce que tu fais toi? Allez, la tête! Non, ça c'est con, Tommy.
secours. Allez, on va se heal. Et on est parti. Troisième heal, après Sombra et Zentaya. Touché. 30 secondes. Ils le font pas. Bah. Mais non, c'est moi qui tire dans la tête, c'est pas toi. Et la tête. Et la tête. La 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 la. C'est GG. Facile. Donc cette mage j'aime vraiment bien. On va peut-être en revoir plus en compétitif. Après ça va pas être OP OP. C'est toujours pareil hein, ces mages. C'est un jeu un peu plus tempo que par exemple un Hanzo. Plus particulièrement par exemple. On peut avoir dans la sorte un Akri par exemple aussi avec le clic droit. Enfin, c'est pas le même gameplay. C'est pas le même gameplay, mais c'est pas la même aussi utilité. Mais on va. Ça peut jouer en défense comme en attaque. Et avec ce changement, je pense que c'est plutôt bonne note en tout cas pour elle. Donc voilà, nous on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera comme d'habitude pour une nouvelle vidéo dès demain. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude. Je vous répondrai. Ciao, bisous, bye bye.